Un style inimitable, l'aisance d'une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est ainsi que Michelle Obama a fait son entrée lors de la convention démocrate sous les acclamations de la foule. Sa popularité est énorme, elle est l'atout charme de Barack Obama, un époux qu'elle a défendu avec flamme. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, a-t-elle expliqué, j'aime mon mari bien plus qu'il y a 4 ans, bien plus qu'il y a 23 ans quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et laissez-moi vous dire pourquoi. J'aime le fait qu'il n'ait jamais oublié comment il a commencé. J'aime qu'on puisse lui faire confiance, qu'il fera ce qu'il a dit qu'il ferait, même si c'est difficile, spécialement si c'est difficile. Depuis le début, Michelle Obama est aux côtés de Barack. Jugée trop en avant les premières semaines, cette brillante avocate a vite appris à ne pas faire de l'ombre à son mari sans y rester pour autant. Elle a su gagner sa place à la Maison-Blanche et dans le cœur des Américains. Au fil de ses engagements auprès des plus démunis, des militaires, au fil de ses actions contre l'obésité pour les enfants, sa simplicité, son écoute ont conquis les Américains. 66% d'avis favorables, c'est presque 20 points de plus que Barack. Car Michelle Obama s'investit pour la cause des enfants, de la famille, de la santé, des sujets qu'elle maîtrise désormais avec une arme qui fait mouche, son humour. Et c'est avec brio aussi qu'elle combine son rôle de First Lady avec celui de mère. Sacha et Malia ont aujourd'hui 14 et 11 ans. Elles ont grandi à la Maison Blanche. Non pas dans une bulle, mais comme des petites filles presque normales. Michelle y a mis un point d'honneur. 4 ans plus tard, les espoirs suscités par l'arrivée de Barack Obama à la présidence se sont peut-être assombris. Mais Michelle, elle reste une superstar des médias et le grand atout de son mari. Dans le match de cœur qu'elle livre avec Ann Romney, ce ne sont pas les discours qui feront la différence, mais peut-être bien la cote d'amour de chacune.